Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. Nous allons prendre le héros mystère, le défi de la semaine entre guillemets. Hop, on va aller s'amuser là-dedans, on va bien voir si on va trouver quelque chose de sympa. Au passage, on va revenir sur le jeu, donc prochainement il y aura un nouvel événement qui va arriver, l'événement Halloween. Comme pour l'événement Summertime, enfin l'événement d'été, là, les jeux d'été d'Overwatch, je vais prendre une série de box pour vous présenter et vous dire si oui ou non, donc assez tôt, assez rapidement, hein, quand il sortira, pour vous dire si oui ou non il est valable de trouver, de payer pour ces box, ou si vous pouvez simplement les farmer suffisamment sans avoir véritablement des nécessités à avoir tout dans le jeu. Moi-même, je n'ai pas eu tout sur les jeux d'été. L'objectif, c'était d'avoir ce que je voulais principalement, je n'en ai pas tout eu. Mais j'en ai eu une grosse partie, donc dans ce cas-là, je trouvais ça viable. Maintenant... Comment ça je peux... Mais c'est quoi ce bordel? C'est pas censé être aléatoire? C'est pas censé être aléatoire. L'imagination est le fondement de toutes les découvertes. Je suis Winston, d'accord, ok, j'ai compris le principe. Ok, ça va être rigolo. On a un double tank, un heal et trois défenseurs. J'ai hâte de travailler avec vous. Ok, pourquoi pas. Les attaquants arrivent dans 30 secondes. Y'a quelqu'un là-bas ou pas? Bonus de dégâts appliqué. À 15 secondes du début. Ok, bon, on va bien voir. 5, 4, 3, 2, dégâts augmentés. Les attaquants approchent. Défendez l'objectif A. On va flanquer un petit peu. Ensemble, nous pouvons résoudre n'importe quel problème. Hop. Absence de signal. Hop. Ok. Merci. Tu as toute ma gratitude. Système d'armement optimisé. Hop. Oh, il y a plus quelqu'un sur le point. Il y a personne pour le défendre. Ah, ça c'est dans la maison. L'objectif est attaqué. Non. Ah. Dégâts amplifiés. Qu'est-ce que tu veux foutre? Oh, c'est bête. Reina, à votre service. J'arrive. Il est monté. Hey. Bonjour. Je l'ai pris. Dans une tourmolade. Hop! Barrière activée! Hop! Hop! Dégage! Je veux pas te voir! Ah merde, je suis foiré! Chasseur, au rapport! Oh, j'ai pas de notre position! Je laisse alors! Ceci va bien! Hop! Hop. Hop. Ah bah ça y est, tu réagis. Barrière activée. Hop, ok. Je me débrouille pas mal je trouve avec Winston depuis quelques temps. J'ai compris comment qu'est-ce qu'il est censé être, c'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment une défense mobile. Stabilisation des cibles vitaux. Barrière active. Hop. Je pense qu'ils ont eu Je suis dans une forme olympique. Non. Hop, c'est moi qui l'ai eu. Et je trouve véritablement que je joue pas si mal. Hein. Forcément, il a quelques persos qui sont un petit peu contre lui. Oh.
Mais ça va. Sélection naturelle. Vous voyez là, je pète leur heal. Faut vraiment bien sélectionner ses cibles. Réussir à pas foirer ses sauts comme vous avez pu faire, par exemple. Pas de sage. Dommage, j'ai essayé. Ah, je pensais que t'aurais. Ouais. Hop, les, dégage. C'est chez moi ici. Ok, bon. Je vais essayer de récupérer du heal parce que j'en ai pas beaucoup, mais c'est le rôle du flanqueur hein, de pas en avoir beaucoup. Enfin, c'est le. Pas le rôle, mais plutôt le. La maladie du flanqueur. Qui a Liv ? Bête de Liv. Dans un choc quoi, c'est pas. C'est la. Surtout quand tu fais le choc quoi, quand tu fais le choc c'est plus pour rigoler que pour. Hop. Oh, il doit vraiment m'en vouloir. Encore. Je veux pas dire, mais il doit vraiment m'en vouloir. Pourquoi recréation de l'instant, ça serait bête. Hop, va dans l'eau. Elle est bonne. Je promets qu'elle est bonne. Excusez-moi. Hop. Oups. Hop. J'ai cru entendre leur Sarah, non ? Nos défenses tiendront si nous redoublons d'efforts. Hop, désolé. Belle fille. Hop, je ne vois personne qui ne véritablement pas la différence à nouveau. Hop. Oh, quel dommage. J'ai pas réussi à le propulser. Bon, bah c'est cool. Boum. Eh bah voilà, bah je me suis éclaté avec ce Winston, moi. J'ai pas changé de perso, moi. Action de la partie. Sauveur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a empêché un ulti. Oh, d'accord. Et c'est moi qui ai fait les frags derrière. Oh, non, le temps de réaction de ce. Oh là là. Le temps de réaction de ce. Comment? De ce Zenyatta. C'était violent. Hein. Oh non, on peut pas mettre. On peut pas mettre 3 points à 15% des dégâts subis! Vous moquez pas! Faut pas exagérer non plus! Je fais 19 kills, je meurs pas, etc, etc, etc. Regardez les dégâts que je mets. Je fais exactement ma moyenne en dégâts, par contre, ça c'est violent. C'est véritablement violent. Bon, on va s'en faire une petite deuxième quand même. Hein. Je peux pas dire, mais on va s'en faire une petite deuxième. Et c'est pas mal comme choc. Peut-être plus me décompresser un petit peu sur les chocs. Et on verra bien. Hop. Parce que oui, du coup, il va y avoir plusieurs personnages. Donc oui, je reviens sur les box. Il va y avoir plusieurs personnages qui vont subir un petit peu comme, à mon avis, comme au jeu d'été. Il va pas y avoir tous les personnages qui vont subir une nouvelle skin, qui vont avoir une nouvelle skin. Personnellement, Halloween, j'opterai pour Chacal. Peut-être pour Chopper. Forcément Faucheur, qui va en avoir une nouvelle aussi. J'opterai peut-être aussi pour... Personnellement, hein. Personnellement. Un Zenyatta. Peut-être, je dis bien... Peut-être, peut-être une fatale, mais je crois pas. Même si le costume de d'Arachné serait pas mal. Bon, Ange, forcément, je pense qu'elle va en avoir un aussi. Anna, je pense, j'aimerais bien, parce que Anna en fait n'a pas eu encore le droit à ses skins. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien un skin pour Anna. Et forcément, j'aimerais bien un skin pour Reinhardt. Mais comme il en a déjà eu un avec Eichenwald, je doute qu'il en ait un nouveau. Voilà pour mes spéculations. Plus bien sûr toutes sortes d'emotes et d'autres sons ou d'entrées en matière qui iront avec certains personnages. Il y aura forcément un petit peu comme Lucio qui a été mis en avant donc dans le Lucio Ball et dans les jeux d'été. Il y aura forcément un personnage à mon avis qui sera bien mis en avant. Et honnêtement, je pencherai pour un Zenyatta. De toute façon, on s'en fout, c'est pas grave. On prend ce qu'on veut, de toute façon, on va tomber sur n'importe quoi. Alors. Ils ont raison. Non, on va regarder sur... On va partir sur...
sûr au chopper. Parce que j'ai des doutes. J'ai des doutes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Justice sera rendue. Là, je vais prendre l'épisode. Ok. Finalement, je me tape un Reinhardt. Je me tape un triple tank sans support. J'ai perdu beaucoup de bons soldats. On peut pas refixer. Alors ça, ça c'est un peu moche, hein. Je peux pas dire, mais. Il va y avoir des décès. Le combat commence dans 30 secondes. La mort ronde sur le champ. Croisé, connecté. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse, Simon, c'est pas grave. Ah, bah ça on reconnaît déjà. Donc moi je vais me faire rect rapidement. Le combat l'objectif. Donc il y a au moins un Zarya en face. Hop. Anzo, à votre service. Est-ce que Reinhardt est mieux? À votre service. Ah la vache. Ah puis il y a la mêlée au-dessus. Il faudrait suivre les mecs, hein. Je veux pas dire, mais... Alors, est-ce que je dois changer pour que ça repique ou ça repique tout seul? Ça repique tout seul sur un bastion. Mais non. Mais non, pas un bastion. Même si je m'en sors bien avec bastion, mais quand même. J'arrive. Ok. Je trouvais droit devant. Soignez tout. Hop. Oh la vache. Bonjour. Hop. Je ne fais plus qu'un avec mon objectif. Je viens de tuer. Hop. Oula. Ah. Non. Je croyais qu'il l'avait eu. Mais non, je croyais qu'il l'avait eu, moi. Mince. J'ai cru qu'il avait eu la comment la... J'ai cru que le Zenyatta avait eu la comment la diva. La Anna. Renoncez à votre corps. Ce qui s'appelle Anna. Jamais à votre honneur. Un Genji. Ça me plaît pas. Je suis prêt. Oh, à cette distance, on a vu le coup se faire. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. La vacuité est forme et la forme est vacuité. Ah bah bien, maintenant à Zenyatta. Zenyatta. La mort est capricieuse. Soldat 76 au rapport. Je capture l'objectif. Ah bah oui, mais qu'est-ce qui... Pourquoi ils ont tous back? Pourquoi ils ont tous backé? C'est débile. Fallait pas backer, c'est un point safe. Alors j'ai entendu un hurlement, mais je crois que ça vient du jeu. J'ai un doute. J'ai un vrai doute. Honnête instinct. Oh non. Mais non. Mais putain, je vais me faire... Est-ce qu'on a quelqu'un? Ah bah oui, mais en même temps. On a un seul tank.
Ça c'est pas faire non plus. Je protégerai les innocents. Pas bien. Bien, bien, bien. Hanzo, à votre service. Les ennemis sont de retour. J'ai pas eu le temps de me planquer derrière. Ils l'ont eu ? Victoire, ils l'ont eu ! GG à eux. Wouh ! Eh ben ça a été dur. Action de la... Oh, c'est moi ? What ? What the fuck ? Oh la vache. Mais non ! Comment vous pouvez mettre 5 points ? Ça fait plaisir de se sentir apprécié. Mais je comprends pas ! Elle a fait que 11%. Comment c'est possible ? Je comprends bien qu'on est en choc, qu'elle change de personnage, mais... Mais quand même ! Je fais 48% des kills ! Enfin bon. Bon. Eh bien écoutez chers amis, du coup merci d'avoir laissé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yoooop !